pas arrivé très tôt. Enfin, il est très tôt pour les Espagnols, je veux dire les Portugais. Il est 8h. Je pars aujourd'hui à Sintra me balader. J'avais déjà vu Sintra, parce que je suis déjà venue au Portugal en fait. Mais j'avais déjà vu Sintra. Mais quand je suis allée voir Sintra, il y a quelques années maintenant, je me suis pété la cheville. Oui. Et après, bah, j'ai fait tout le reste de Lisbonne avec des béquilles. Et bon, Lisbonne, ça monte, ça descend, il y a des espèces de petits pavés qui glissent. Autant te dire qu'en béquille, c'était pas la joie. Donc, aujourd'hui, je vais revisiter Sintra, bien comme il faut. J'avais envie de nature, j'avais envie de me promener, de sentir l'herbe, tout ça, quoi. Parce qu'il y a une très belle forêt autour du château. Je pars un peu plus tard que ce que j'avais prévu, tout simplement parce que j'ai attendu que la salle de bain se libère pour aller faire pipi. Mais quand elle s'est libérée, quelqu'un y est retourné. Donc je pars vessie pleine, ventre vide. Ça va être de la nature, des très très beaux monuments, de ce que j'en ai vu, parce que j'ai pas tout visité du coup, vu que j'ai vu les pompiers. Et quand j'arrive à Sintra, on m'a donné des adresses où je dois aller petit déjeuner. On le sait, manger, c'est important dans mes voyages. Allez, en route, mauvaise troupe! Je viens d'acheter des petites trucs d'alcool de cerise à ramener à la maison, des gâteaux à ramener à Thomas de Sintra. J'ai fait pipi, j'ai mangé, c'était très très bon. Le petit truc feuilleté là, je vous le recommande. Et là, on part voir un truc qui a l'air magnifique. J'ai tellement hâte d'aller voir ça. C'est le, je ne sais pas quoi, Peña de la Regaleria. Je ne sais pas, je vous redirai ça. Let's go, il fait très beau, je vais sortir les lunettes et le GPS. Les gens me regardent bizarre parce que je souris en marchant. Genre. Voilà. Et hier, j'ai versé ma larme de me dire que j'avais parcouru tout ce chemin et que j'ai été plus forte que mes angoisses, ou en tout cas, je les ai comprises et domptées. Allez, on va en prendre plein les yeux. Ça, là, ça annonce la couleur. Ça a l'air magnifique, le parc a l'air magnifique. J'avais trop hâte de venir voir ça. Vraiment, trop hâte. Tellement drôle, je suis en train de faire la visite du château et je regarde par la fenêtre et je vois mon ancien guide d'hier
Et il m'appelle à ce moment-là et je lui dis « Lève la tête, je te vois par la fenêtre. » Il me dit « Mais non, si, si, t'es en train de mettre ta casquette. » Mais oui, trop drôle. Wait and see what is on the other side. Trust in me, live it all, make it golden. Why should we run over these steps and rise? Cause you got nothing to lose. You got it all in me. There'll be ups and downs, highs and lows in the darkest part. They'll make it snow, you got this. Baby, you got this. Keep on trying hard and take it slow. You'll be breaking the walls, it'll make it flow. You got this. You got this. There's something. Time to go home. Je rejoins Sintra, j'ai bien 45 minutes de marche dans la forêt. Et après je prends un train, puis un métro et je vais à l'aéroport. Je ne m'envole pas, j'ai loué une voiture. Le chemin pour aller là-bas, c'est ardos. Genre, vraiment ardos. Je vais dire un truc de vieux, mais les genoux qui morflent ta mère. Mes jambes tremblent. Ce que j'ai oublié de vous dire, mais j'ai pas mangé. Enfin, j'ai mangé deux compotes. Bah écoutez, c'était pas le truc le plus malin à faire. Mais là, quand j'arrête, mes jambes font ça. Allez, je suis bientôt arrivée. C'est pas moi qui fais pipi, c'est la fontaine. On est enfermés, il grimpe pour nous ouvrir. Oh, carrefour, il vient flip-flop. Ok, that's you, let the door like... Bon, je vous ai pas pris, mais je suis arrivée à l'aéroport, j'ai loué la voiture, je suis dedans. C'est une Seat Leon ou Ibiza, je ne sais pas. Et j'ai trouvé une place en bas de chez moi. C'est pas beau ça? Mais on a prié pour qu'il n'y ait aucun pet parce que j'ai laissé une caution de 1100 balles. Bon, je pars me chercher des courses pour manger un peu ce soir. Et demain matin pour le petit-déj. Et un peu pour le midi, pour bon, bref, pour grailler quelques petits trucs. Et après je me douche et je me couche. Mes jambes tremblent, vous n'avez pas idée. Et là, les pentes là, je peux plus les pentes.